Le rocher de l'éternité est caché dans une poche dimensionnelle. Je me suis retenu d'ouvrir son passage depuis l'invasion de Brainiac. Il risquerait de nous repérer. Exactement. Une fois la porte ouverte, il ne faudra que quelques minutes pour que Brainiac attaque. Un combat que j'ai hâte de livrer. Ô ancien, révélez-moi la voix dorée. En vos noms, Chu, Eru, Amon, Zehuti, Aton, Mehen. Black Adam a dévoilé le pouvoir de Kandak et son emplacement. Que la société obtienne un échantillon du rocher de l'éternité. J'aimerais étudier ce que la Terre appelle magie. La société n'existe plus. Ils pensaient qu'ils allaient conquérir la Terre, pas que tu la détruirais. Et toi, Grodd ? Je me fiche de la Terre. Je sers Brainiac. Sage décision. Je te donnerai de nouveaux soldats. Apporte-moi cet échantillon avant que la Terre soit détruite. Et ta loyauté sera récompensée. Il faut faire plus vite. Pas la peine. Il est déjà trop tard. Un illustrateur est déjà en route. Brainiac va s'emparer de Kandak. Un petit Black Adam. Grodd ne profanera pas Kandak. Tu es aveuglé par ton orgueil. À côté de tout ce que j'ai accompli, tu fais pâle figure, Adam. Ok, c'est une sorte de protection qu'il a avec le... Merde, j'avais réussi à faire un parfait. Ah merde, elle est pas... Non! Ah, chiotte! J'aurais dû attendre qu'elle se relève! Montre-toi, Grodd! Affronte-moi! C'était pas Grodd, ça. Je n'ai pas besoin de ton aide. Cavalerie. Logique que vous mourriez ensemble. Vous, les derniers monarques du genre humain. Quel genre de dictateur sacrifie les siens au profit de Brainiac? Je ne suis loyal ni envers Brainiac, ni envers Gorilla City. Seulement envers moi. J'attendrai que cet extraterrestre nous montre sa faiblesse. Et je le tuerai. Avec son vaisseau, personne ne pourra m'arrêter. On va partir avec Aquaman. On va tester un peu tout le monde. Tu délires complètement. Qu'est-ce que ça t'a fait de perdre tous les tiens, Aquaman? Je ne les ai pas perdus. On me les a pris de force. Je
Ouf. Sympa la bébête. Les mères complotent contre toi. Merde, plop. Ah, c'est pareil. Dommage. Ça me fait penser que j'ai pas de flèche en trident. Je ne m'en fais pas. Y. Ça passe. Ah, il était trop loin. Chier. Voilà. Nickel. Je vais venger Atlantis. On te croyait mort. Le scarabée est invincible. Batman m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Voyez-moi comme un renfort. Venez. C'est pas très, très joyeux, dis donc. Alors, comment est-ce que ça marche? On imprègne ton trident d'une étincelle du pouvoir du rocher. Une fois sa puissance libérée, il cherchera ton arme. Là, tes pensées conduiront le pouvoir du magicien jusqu'à sa cible. Je suis prêt. Blue Beetle, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'obéit. Un agent dormant. Pour te faufiler ici. Malgré la puissance de son scarabée, je n'ai pas eu de mal à le manipuler. Allez, Raimé, tue-les ! Bon, on va se faire un Black Adam. Il y a tant de façons de te tuer. Les joujoux du scarabée ne font pas le poids. Contre le rocher de l'éternité ! Oh putain, j'en chie. Alors qu'est-ce que ça donne? Encore du déplacement. Ouf. La force d'amont te sera fatale. Voilà. Un jeu d'enfant. On va combattre Grodd. Allez. Belle brochette, voilà trois rois. Toi, un roi? Tu n'es qu'une brute. Un vrai chef est au service de son peuple, et non de ses propres intérêts. Quoi qu'il en soit, je serai le seul à sortir vivant de cette grotte.
J'en ai pris au mien, Grodd. En leur nom, j'obtiendrai justice. Ah, dommage. Tiens, prends-toi ça. Eh, plus de défense que... Il a plus de vie que moi. Il avait plus de vie. Sans la colère de Poséidon. Comme ça, j'économise au moins une barre. Putain. Et voilà, ça c'est fait. C'était pas le bon jour pour me tester. Stupide humain. Si tu le dis. Les citoyens d'Atlantis réclament justice. Ils veulent Brainiac. J'ai vu son esprit, senti sa puissance. Rien ne l'arrêtera. Contrairement à toi. Bon bah on jouera pas Grodd. Ça va ta tête? Elle est vide. Comme d'habitude alors. Canary, Arrow, poussez-vous de là! Le nouveau phare. Bon alors, Cyborg, il est où ce brouilleur? Il arrive. Tout ce que t'as à faire, c'est l'activer. Mais il n'agit que dans un petit périmètre. Il faudra que tu sois tout près de Brainiac. Bien.
cassé. Ça a marché, bouclier HS. Supergirl, avec moi. Victor, aide les autres à combattre ces bêtas. Allô Newton, on a un problème. C'est ce qu'on appelle un atterrissage avec panache. Elle s'intensifie par là. Qu'est-ce qu'il y a ? Des voix. Des milliards de voix. Ouais, ils sont à la salle de la collection. Beaucoup de langues différentes. Les Kryptoniens. Kandor. Argo City, ma planète. Il faut qu'on les aide. Je ne sais pas si on peut. Il y a forcément un moyen. Karazor. Jusqu'à récemment, je pensais ma collection de Krypton complète. Mais quand je t'aurai capturé, elle le sera. Ah. Tout ce que tu as entrepris pour me faire obstacle a échoué. Tu n'as rien d'exceptionnel. Tu n'es qu'un spécimen insignifiant d'une espèce primitive. Occupez-vous-en. Ah, Flash ? Ah non, Superman. Eh ben, au final, il s'est pas fait désintégrer. Moi qui voulais faire une entrée remarquée. Où est Kara ? Prisonnière, quelque part sur ce vaisseau. On va la trouver. Mais on n'a que 20 minutes avant que les bêtas de Brainiac ne réduisent la Terre en cendres. Pourquoi les autres sont pas là ? Ils combattent les bêtas, au cas où on ne s'en sortirait pas. Ça va aller. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, chef !
Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter, et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, et vous aurez du gâteau.